Ciao a tutti, ciao ragazzi. Chaque année, le magazine Forbes publie le classement des hommes les plus riches du monde. Et cette année, l'Italie est à la 7e place avec 64 milliardaires. Ce sont 13 de plus que l'année dernière. Alors, qui sont les 10 Italiens les plus riches d'Italie en 2023? On voit ça tout de suite. Allez, c'est parti. Benvenuti o bentornati su Nuovo Respiro. Bienvenue à tous. Je salue les nouveaux abonnés. Moi, c'est Corinne et ici, c'est une petite chaîne qui parle de l'Italie. On parle de l'Italie dans tous ses aspects culturels, politiques, économiques, historiques, touristiques. Je vous propose une vidéo sur un sujet très différent tous les vendredis. Je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche pour être au courant dès qu'une vidéo est en ligne. Je vous invite à liker si cette vidéo vous intéresse et à la partager avec vos amis. Moi, je vous fais des gros bisous. L'Italie bat cette année un record avec ses 64 milliardaires. Parmi eux, on compte 45 hommes et 19 femmes. 8 sont les héritiers de Leonardo Del Vecchio, le PDG de Luxottica, et 4 d'entre eux sont les seuls milliardaires de moins de 40 ans. Clemente, le plus jeune qui a 18 ans, se retrouve le milliardaire le plus jeune au monde. Si on additionne le patrimoine de tous ces milliardaires, on arrive à la somme coquette de 215,6 milliards de dollars. Les patrimoines ont été calculés le 10 mars 2023 et attention, ils ne tiennent pas compte des patrimoines des Italiens qui résident à l'étranger. Si on les prenait en compte, la deuxième place reviendrait à Gianluigi Aponte, le fondateur de MSC, vous savez, les croisières, avec un patrimoine de 31,2 milliards de dollars. Mais comme il travaille depuis des années à Genève et qu'il réside là-bas, il est donc le milliardaire le plus riche de Suisse. Alors, qui sont les Italiens qui trustent les premières places du classement? Numéro 10, Giuseppe De Longhi. Le groupe De Longhi, c'est un géant dans le domaine du petit électroménager, du café, de la maison, de la climatisation. Et il possède des marques iconiques, par exemple Braun ou Kenwood. Numéro 9, le président de Campari, Luca Garavaglia, avec un patrimoine de 4,1 milliards de dollars. Campari possède de nombreux vins et spiritueux, dont Aperol, qui est vraiment l'apéritif préféré des Italiens et qui est très en vogue depuis quelques années avec le Spritz. Mais il possède aussi, par exemple, le Grand Marnier. Il y a beaucoup de vins et spiritueux différents. Il y a même des marques de whisky. Numéro 7 et 8. À ces places-là, on retrouve le couple qui est à la tête de Prada. Patrizio Bertelli et Miuccia Prada avec un patrimoine de 5,4 milliards de dollars. Prada, c'est une très vieille entreprise. Elle a été fondée à Milan en 1913. On la connaît bien évidemment pour le secteur du luxe avec le prêt-à-porter, les accessoires, la parfumerie, la maroquinerie, mais aussi les bijoux, les lunettes, les chaussures. Prada, c'est vraiment le luxe à l'italienne. Numéro 6, Sergio Stevanato. Alors lui, je pense que vous ne devez pas le connaître. Le groupe Stevanato est l'un des grands producteurs mondiaux d'emballage pour l'industrie pharmaceutique. Il fabrique notamment les cartouches d'insuline pour le traitement du diabète. Il a gagné 10 places en une seule année et il est à la tête d'un patrimoine de 5,5 milliards de dollars. Cette remontada énorme, certainement liée à la crise du Covid. Numéro 5, Piero Ferrari, le fils d'Enzo Ferrari, fondateur de la marque que nous ne présentons plus, à la tête lui aussi d'un patrimoine de 5,5 milliards de dollars. Numéro 4, enfin, une femme. Il s'agit de Massimiliana Landini Aleotto, l'héritière d'un grand groupe pharmaceutique, le groupe Menarini. Basé à Florence, le groupe Menarini est le premier laboratoire pharmaceutique italien. C'est le 17e européen et au niveau mondial, il se place à la 32e place. La fortune de Massimiliana s'élève à 6,7 milliards de dollars. Numéro 3, Silvio Berlusconi. Bon, il se place en 3e position, bien que sa fortune ait un petit peu baissé. Or, il n'a plus que 6,8 milliards de dollars. Berlusconi, fondateur de la holding Fininvest, puis du groupe de communication Mediaset, il a bâti un véritable empire médiatique et il a investi dans de nombreux secteurs comme les banques, les assurances, le football. Encore aujourd'hui, il est présent dans l'actualité italienne. Pas de polémique. Indéboulonnable, je vous dis, le Silvio. Numéro 2,
La deuxième place est trustée par Giorgio Armani depuis la mort du PDG de Luxottica, Leonardo Del Vecchio, en juin 2022. Le patrimoine d'Armani a augmenté de 42% en un an, en passant à 11,1 milliards de dollars. Armani, ce n'est pas seulement de la mode, du luxe. Il s'est lancé en 2005 dans l'hôtellerie de luxe et a lancé les hôtels Armani, par exemple, à Milan ou Dubaï. Il est aussi présent dans l'industrie de la restauration de luxe avec les restaurants Armani ou les cafés Emporio Armani. Depuis 2002, il a aussi une collaboration avec le chocolatier italien Venchi et a créé une marque de confiserie chocolaterie et il y a des éditions limitées, par exemple pour la Saint-Valentin, pour Pâques ou pour Noël. Il y a aussi Armani Fiori, un service floral exclusif d'Armani. Pour ses collections, par exemple de vases, Armani utilise des matériaux précieux comme l'albâtre, le marbre noir, le bois laqué. Et ce sont ces collections florales qui décorent, qui ornementent les hôtels et les restaurants Armani. Armani a aussi sorti un téléphone et une télévision signés Armani en collaboration avec Samsung. Il y a aussi eu une collaboration avec Mercedes. Ils ont sorti ensemble un cabriolet dont l'intérieur a été entièrement revu par Armani et qui a été sorti en édition limitée. Diversification, c'est le mot-clé. Numéro 1, évidemment, le plus riche, c'est Giovanni Ferrero, avec tout le Nutella qu'on mange. Ferrero ne se limite pas à la Nutella, c'est bien évidemment les Kinder Bueno, les Ferrero Rocher, les Raffaello, les Kinder Surprise, les Tic Tac, les Mon Chéri. La liste est hyper longue, je m'arrête là. La famille Ferrero est à la tête du classement depuis de nombreuses années. Depuis 2018 pour Giovanni, qui succédait à sa mère Maria Franca, qui elle-même succédait à Michele, le père de Giovanni. Si l'on veut trouver quelqu'un qui n'est pas de la famille Ferrero à la tête du classement, il faut remonter très très loin en 2007 et deviner qui c'était. Silvio Berlusconi. La plus grosse fortune d'Italie compte un patrimoine de 38,9 milliards de dollars. C'est une augmentation de 2,7 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Ferrero, c'est la 7e personnalité la plus riche d'Europe et la 30e personnalité la plus riche au monde. Voilà, moi je trouvais que c'était un petit peu intéressant de voir qui étaient les plus riches en 2023 en Italie. On s'attendait peut-être à trouver plus de marques de luxe. Je ne m'attendais pas à voir, par exemple, un laboratoire pharmaceutique. On apprend des choses. C'est vraiment ce que je trouve intéressant, quel que soit le sujet abordé sur la chaîne. En attendant, je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao, ciao !